deuxième à partir du haut, et ils vont le suivre tout le temps. Cette invention remarquable est due à une équipe de la banlieue de Paris. Eh bien, nous sommes allés voir du matériel militaire, et nous avons vu un canon qui s'y veut automatiquement des avions. D'où, nous cinéastes, l'idée nous est venue de remplacer ce canon par une caméra. Sur le même affût? Voilà, sur le même affût. Donc nous avons travaillé pendant 2 ans à l'étude de cet appareil et nous sommes arrivés à des résultats très concluants aujourd'hui et nous sommes en train de mettre au point notre premier prototype qui va faire des images très étonnantes. D'ailleurs, vous en avez la primeur aujourd'hui. Parallèlement, on met au point aussi un système de programmation de déplacement de la plateforme qui pourra permettre de faire des plans séquences très très longs. Ça, c'est un ordinateur qui fera tout ça? C'est un ordinateur qui fera tout ça. Mais vous n'avez pas peur de remplacer les cinéastes par des ordinateurs? Non, parce que les cinéastes seront libérés complètement des contraintes qu'ils ont actuellement, qui sont des contraintes mécaniques et matérielles, et ils auront la tête complètement libre pour faire des images comme des artistes. Le cinéma, c'est un métier d'artiste. Les applications de cette caméra sont innombrables. Première idée, le sport, bien sûr, avec les mouvements rapides en gros plan, skieurs, coureurs de vitesse, perchistes, footballeurs. Autre domaine, les films d'animaux. Pédagogie, perfectionnement, analyse, tout est possible. Le plus étonnant de cette histoire, c'est que les jeunes de cette équipe n'arrivent pas à trouver des aides pour perfectionner cette caméra, qui pourrait pourtant rendre énormément de services dans l'industrie, le cinéma, ou pourquoi pas pour repérer les fraudes au tiercé. Donc maintenant, les affaires internationales. Demain, les otages de l'ambassade américaine à Téhéran seront transférés dans un autre lieu. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères a refusé de préciser où. Il a ajouté qu'aussitôt après ce transfert, la commission d'enquête de l'ONU sera autorisée à les rencontrer. Pourtant, rien n'indique ce soir que la prise en charge des otages par le Conseil de la Révolution va accélérer leur libération. L'état de santé du maréchal Tito, rien de nouveau, les mêmes termes depuis pratiquement 2 semaines dans la rédaction des communiqués des médecins yougoslaves. Attentat à l'explosif contre le consulat général du RSS à Berlin-Ouest, c'est une organisation de résistance afghane inconnue à ce jour qui a revendiqué l'action. La bombe avait été placée dans une corbeille de fleurs, l'explosion a soufflé le rez-de-chaussée de la villa, mais il n'y a pas eu de victimes. Et puis un attentat, cette fois-ci à Paris, cet après-midi, boulevard de Sébastopol, où plusieurs jeunes gens ont incendié, apparemment avec des cocktails Molotov, la vitrine d'un magasin vendant des documents et des livres chinois. Plusieurs personnes ont été blessées, un homme et une femme grièvement brûlés ont reçu des soins sur place. Et puis un troisième attentat, la nuit dernière, non revendiqué contre le consulat de Tunisie, toujours à Paris. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas eu de victimes. Avant-hier, dans ce journal, nous vous présentions le dossier scandaleux du transport des chevaux destinés à la boucherie. Hier, Brigitte Bardot s'était indignée sur notre antenne des brutalités aussi sauvages qu'inutiles. Et plusieurs associations protestent elles aussi depuis quelques années contre ces pratiques. Nous allons entendre l'une d'entre elles et la réponse du service vétérinaire concerné au ministère de l'Agriculture. C'est absolument scandaleux. Et inutile, à l'époque où il y a des wagons, des camions et des bateaux frigos, on devrait uniquement transporter les animaux à l'état de carcasse. Et si on ne le fait pas, une partie, enfin, est tout de même envoyée comme cela, mais la grande partie, ce sont des animaux vivants, c'est uniquement une question de gros sous, c'est-à-dire la récupération des sous-produits, tels le cuir, les crins, les sabots. C'est absolument inadmissible de faire fi à ce point de la souffrance des bêtes. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accepter que des chevaux soient transportés dans de telles conditions vers la France? Alors, les pouvoirs publics n'acceptent pas cette situation. Ils essayent de régler ces problèmes en apportant une amélioration soit au niveau de l'expédition, dans les pays évidemment tels que la Pologne ou le RSS qui sont à l'origine de ces expéditions, soit au niveau de l'entrée en France des animaux par les principales gares, notamment à APAC, et aussi en essayant au niveau des transports dans les territoires comme l'Allemagne où les animaux transitent, d'obtenir une amélioration. Cette action est menée donc à la fois par les services vétérinaires à l'intérieur du territoire et aussi par l'intermédiaire, il faut le reconnaître, de sociétés et de personnes qui interviennent à différents endroits de la chaîne du transport. Je vous rappelle que le 15 mars, notre émission samedi et demi sera entièrement consacrée à ce problème et que le 23 mars, Louis Roland Nel dans Des animaux et des hommes reviendra également sur ce dossier qui vous a tous énormément ému.
Tennis, Coupe Davis, première journée du quart de finale zone européenne qui oppose la France à la Finlande. Dans le premier simple, le français Pascal Porte a battu le finlandais Léo Palin par 3-7-1 et Haye a dominé Timonen en 3 manches assez sèches. Nous allons voir avec Serge Richesse comment se sont passées ces deux rencontres qui devraient en principe qualifier la France pour le tour suivant. En Coupe Davis, je vous propose maintenant donc de regarder ces images qui devraient arriver. On me fait signe qu'elles n'arrivent pas tout de suite, mais qu'elles ne sauraient tarder à arriver. Alors je vous donne le résultat de la rencontre de Haye, par exemple, celle qui vient de se terminer à l'instant. 6-1, 6-1, 6-4, c'est vous dire que les rencontres de demain et d'après-demain devraient se passer de façon plutôt sympathique pour les Français. Je me renseigne. Jeune homme studieux pratiquant occasionnellement le tennis au plus haut niveau, telle est la définition singulière des joueurs finlandais. En effet, Palin, le numéro 1 finlandais, ici au service, est diplômé de l'université de Los Angeles. Quant à Timonen, numéro 2, qui rencontrait Jean-Louis Haye, il est étudiant en informatique. Séduisante et anachronique position des Finlandais qui n'a pas pesé lourd face à l'expérience et à la valeur des jeunes tennismen français. Conséquence heureuse, la France mène ce soir 2-0. Elle est pratiquement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis. Ces victoires ont été obtenues par Haye, une victoire expéditive. Jean-Louis Haye face à Timonen, 6-1, 6-1, 6-4. Quant à Pascal Porte, opposé à Palin, 6-2, 1-6, 6-1, 6-0. Et une très jolie balle de match. Passation de revers magnifique du français. France-Finlande à chacun selon sa spécialité. Et puis en ski, après le slalom disputé à Villach en Autriche, c'est l'Italien Bieler qui occupe la première place au classement général de la Coupe d'Europe masculine devant un de ses compatriotes, Kirschbaum. En cyclisme, c'est le Suédois Tony Prim qui a remporté la deuxième étape de Paris-Nice devant son compatriote Nilsson. Il prend du même coup le maillot de blanc de leader à son coéquipier Knudsen. L'épreuve se courait sur un parcours de 166 km qui reliait Auxerre à Chinon. Voilà la météo maintenant. Aujourd'hui, il a fait doux sur l'ensemble du pays. Il a neigé en montagne au-dessus de 1500 mètres. Demain, le temps sera instable et le ciel sera le plus souvent couvert. La Normandie, la Bretagne et le Nord connaîtront des vents violents. Une exception à ce mauvais temps général, le golfe du Lion. On y verra du soleil. Prochain rendez-vous avec l'information 22h50. C'est Hervé Claude qui vous présentera le journal. Demain, notre émission samedi et demi se déroulera depuis Bordeaux. Jean-Claude Mangeau évoquera l'exploitation des océans avec des spécialistes d'Océan Expo. Et puis demain, c'est Léon Zitrone qui vous présentera le journal de 20h. Je vous quitte en vous rappelant que, je l'ai appris pendant ce journal, le préfet maritime de la première région, c'est-à-dire la région qui couvre la Bretagne, a décidé qu'il n'y aurait pas de plan Polmar à la suite du naufrage du pétrolier Tanio. C'est donc que pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de risque de pollution. Ça se passe, je vous le rappelle, à 50 km au nord des côtes de l'île de Bas et de Roscoff. Je vous souhaite, sur ces nouvelles pas très encourageantes, une bonne fin de semaine quand même, et puis à lundi. Bonsoir.